Golf Mag est une présentation de la forfaiterie Voyage Optimum. Cette émission est enregistrée sur les sites du club de golf Dubai Creek. À Golf Mag cette semaine, on vous amène à une destination de rêve. Dubaï, dans toute sa démesure et sa splendeur, propose du golf de calibre international. Pour l'instant, on y retrouve pas moins de 13 terrains. Et aujourd'hui, on vous présente celui qui a ouvert ses portes en 1993, le Dubai Creek Golf. Dubaï est à la fois une ville et un Émirat arabe uni. Ses habitants s'appellent les Dubaïotes. Avec ses 3885 km², Dubaï est le deuxième Émirat en termes de superficie après Abu Dhabi, la capitale. Cette ville a été construite de toutes pièces par l'homme dans le désert du Rub Al Khali. Situé en plein cœur de la ville, le club de golf Dubai Creek est au centre de l'activité. Cette normale 71 s'allonge sur 6 967 verges. Les allées ondulées sont manucurées avec soin et bordées par des palmiers et des dattiers magnifiques. Ce n'est pas parce que le parcours fait moins de 7 000 verges en termes de longueur que le défi est moins grand pour autant. Bien au contraire. Un peu à l'image des beaux parcours qu'on retrouve notamment dans le sud de la Floride, le vent est omniprésent. Comme par exemple ici au cinquième trou, c'est une courte normale 3 d'à peu près 145 verges. On sent cette belle brise qui nous vient de la crique derrière nous. Et j'attire votre attention, au loin, juste à la droite du verre, tout au loin, se hisse la Burj Khalifa, haute de ses 828 mètres. C'est vraiment impressionnant. Ce ne sera pas ma cible aujourd'hui, mais disons que ça dérange l'œil juste un petit peu. On retrouve la crique sur 4 des 18 trous. Comme si ce n'était pas suffisant, on a creusé plusieurs lacs sur le parcours. Bienvenue à Dubai Creek. C'est gentil. Vous êtes ici depuis près d'une vingtaine d'années. Oui. Racontez-nous, qu'est-ce qui vous a amené ici? Oh, c'est une longue histoire. J'avais mon beau-père qui travaillait à Abu Dhabi et j'habitais à Tahiti. Et ma femme me poussait à venir voir mon beau-père et ma famille ici. Et j'avoue que j'avais pas tellement envie. Et un jour, j'ai découvert cet endroit. Et j'ai trouvé cet endroit magique. Et surtout pour le golf, ils ont des installations fantastiques. Et je suis tombé amoureux de Dubaï. Et vous êtes resté accroché à la région pendant toutes ces années. Exactement. Alors expliquez-nous un peu ce que vous faites ici sur la propriété. Alors ici, nous essayons de développer le golf sur les Émirats. Évidemment, les touristes et les locaux. Et nous faisons beaucoup de cours de golf. Nous avons une grande académie ici, sur place, avec 6 professeurs de golf. Et nous donnons des leçons aussi bien à des joueurs débutants que confirmés. Parlez-moi un peu du parcours ici que l'on retrouve. Il est de toute beauté. Alors, Dubai Creek est le deuxième parcours des Émirats, en herbe. L'avantage qu'il a, il est, vous allez le découvrir, il est au bord de la crique. C'est très agréable. Il y a souvent du vent. On a beaucoup d'eau. Ici, la richesse à Dubaï, c'est de montrer que nous avons de l'eau. Donc, lorsqu'ils ont créé ce golf, ils ont créé beaucoup de plans d'eau. Autre chose, il est très varié. Il a un challenge, vous allez le découvrir, très difficile à la fin, ce qu'on appelle un peu notre Armen Corner. Le 17 et le 18 sont des trous très challenge. Voilà. Et on a eu la chance aussi, il y a quelques années, d'accueillir le Dubai Desert Classic. Ah oui. 2 années consécutives. Et les scores étaient beaucoup plus durs ici que Emirates. Ah oui! Parlez-moi de ce super bâtiment derrière nous. Oh, il est magnifique. C'est très symbolique ici dans la région. Ce golf a été fait il y a 23 ans. Et l'architecte qui a construit ce clubhouse, le Cher Maktoum, a trouvé le bâtiment magnifique et il a décidé de l'honorer en créant un billet de banque de 20 dirhams à son effigie. Voilà. Nous avons 3 restaurants, une piscine, une salle de gym, sauna, plein de services comme vous pouvez avoir dans pratiquement tous les golfs à Dubaï. Mais ici, dans la restauration, nous avons une très jolie terrasse. Et ce qui est intéressant, nous avons un arbre qui a 900 ans, un olivier. Oh, wow! Et je vous conseille d'aller le voir, c'est très intéressant. Oh, génial! Cyril, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Moi aussi, je vous souhaite bonne continuation aux Émirats. C'est très gentil, merci. Merci.
veux absolument vous parler du trou numéro 6 ici au parcours. Vous venez de voir, je viens de traverser une petite passerelle d'une dizaine de mètres de longueur, ce qui nous amène sur le tertre de départ. Imaginez-vous donc, il a été conçu sur des pilotis, ce qui fait que ce trou-là est vraiment unique en soi. Et regardez derrière moi, c'est une très belle normale 4 qui s'étire approximativement à 400 verges. Aujourd'hui, c'est, je pense, 385 verges. Et le défi n'est pas très compliqué. Il faut survoler la crique sur 100 verges et après ça, bien, éviter l'obstacle d'eau qui se trouve sur ma gauche, aujourd'hui sur une distance à peu près de 240 verges. Alors, ça prend une balle en jeu, un beau sourire et surtout apprécier le beau temps. Restez bien branchés. Golf Mag se poursuit après cette pause avec encore plus de golf depuis Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Je présente Nicolas Pépin, qui habite ici maintenant quoi, depuis 3 ans? 2 ans et demi. On est sur la troisième année scolaire. T'es ici pour affaires? Ici pour affaires, pour le travail. T'es en emploi d'une multinationale américaine, c'est Absolument. Ça? Absolument. Une compagnie en nutrition. On œuvre en nutrition. Alors, mon travail, c'est d'être responsable de 7 pays dans la région du Golfe. Alors, c'est de travailler avec des collègues dans la compagnie, dans plusieurs pays. Alors, j'ai à voyager dans les pays immédiats autour d'ici, Oman, Qatar, Bahreïn, UAE, évidemment, et Koweït. Génial. Parle-nous un peu de la vie à Dubaï, un expatrié. La vie à Dubaï, en fait, le climat. Premièrement, le climat, c'est très agréable. Malheureusement, on manque les hivers froids du Québec. Toi qui viens de Chicoutimi en plus. Exactement. Mais on peut en profiter l'été parce qu'on retourne l'été. La vie, en fait, est un peu la vie quotidienne de chez nous. On est ici pour le travail. Alors, les enfants, les filles vont à l'école normalement. Et moi, je vais au travail normalement. C'est les week-ends qui sont différents. On peut aller à la plage une journée. On peut évidemment profiter des installations de golf. Et faire des activités de famille, des petits voyages dans le désert, un peu de jeep dans le désert, les centres d'achat, vous avez pu voir les centres d'achat. Il y a plein d'activités à faire ici. Pour nos téléspectateurs qui sont peut-être un peu réticents avant de dire hey, « on s'embarque-tu dans une si belle et si grande aventure, ne serait-ce que pour le temps d'un voyage? Mm-hmm. » Parle-nous de la vie ici. On s'adapte comment à ce genre de pays-là? Bien, au départ, c'est sûr qu'il y a des appréhensions. On s'en va loin, on s'en va à 14 heures d'avion de chez nous, dans un endroit où est-ce que c'est... on entend beaucoup de choses négatives quand on vit dans notre pays. Et quand on arrive ici, on se rend compte que c'est pas ça du tout. Évidemment, il y a le dépaysement. Il faut trouver des maisons, il faut trouver des écoles. Donc, cette partie-là qui serait le même un peu partout, un coup que c'est fait, c'est comme ça. Maintenant, quand tu apprends à vivre ici, tu te rends compte qu'il y a 10 % de locaux. La plupart, c'est des étrangers qui viennent ici. Alors, la majorité des gens ont vécu la même chose. Et le principe, c'est d'être plusieurs cultures vivant ensemble et se côtoyer un peu dans la paix, je dirais. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Le départ est un peu difficile, évidemment. Il faut rentrer dans des groupes d'amis. On arrive, on est une famille. Alors, il y a le positif de c'est un projet de famille, on resserre nos liens, on est ensemble. Mais évidemment, il faut côtoyer la société. Alors, quand on est un joueur de hockey, ça nous avantage parce qu'on rentre dans un groupe, ouais. Dans un groupe et rapidement, le social embarque. Et c'est un peu la même chose pour la famille. L'école, les premiers jours de l'école, on rencontre de nouveaux amis. Ce qui est un peu différent ici, c'est que tout le monde est arrivé un jour. Alors, ils ont un peu l'habitude d'intégrer des nouveaux qui arrivent dans le pays. Nicolas, tu habites sur le creek, sur le bord du parcours de golf. Évidemment, tu connais bien l'endroit. Parle-moi un peu de ce que tu aimes et des particularités du parcours. En fait, c'est un trou pour moi qui est un golfeur moyen qui permet d'avoir des trous un peu plus faciles et des trous très compliqués. Donc, c'est un bon défi pour moi à chaque fois que je suis sur le terrain. Et ça nous permet aussi de ne pas être très loin. Alors, j'adore être sur le creek. Je peux venir quasiment à pied, profiter des installations, le driving range, le putting range et tout ça. Alors, c'est ensemble qu'on va jouer le trou de la semaine dans quelques instants. Parfait. On va aller frapper un peu de balle? J'ai besoin de pratique. Super, moi aussi. Parfait. Merci, Nicolas. Merci. Nous avions l'embarras du choix afin de vous présenter un trou vedette. Nous avons choisi le 18e. Cette normale 4 de 421 verges termine votre ronde à merveille. La crique à gauche, le pavillon en forme de voile de Dao au final, c'est vraiment un trou de golf magnifique. Ben Nicolas, merci. Merci d'avoir choisi un magnifique trou comme trou de la semaine à Golf Mag. Toi qui es membre ici, j'aimerais connaître pourquoi on joue ce trou-là aujourd'hui. D'abord, pour la vue.
Oui, c'est clair. On a une excellente vue sur le clubhouse d'ici. C'est un peu un landmark de Dubaï avec des voiles et tout ça. Et c'est aussi un trou qui a une vue sur la crique, en fait, qu'on appelle le creek ici. Oui. Évidemment, c'est un trou difficile, oui, avec plusieurs options de frappe pour un professionnel ou un golfeur moyen. Donc, il y a du sable à droite, il y a du sable à gauche, il y a de l'eau à droite, il y a de l'eau dans le milieu. Oui. Un accès ouvert un peu compliqué. Alors, c'est un bon trou à jouer. C'est vraiment extraordinaire. J'ai l'impression qu'on est chanceux aujourd'hui, Nicolas, parce que le vent me semble favorable. Est-ce que c'est toujours le cas ou... C'est difficile à dire. En fait, je dirais que le vent, j'ai toujours un peu l'impression qu'il est dans notre dos, sur ce trou-là. J'ai pas joué souvent où est-ce que le vent était de face, alors peut-être que j'ai été chanceux. Tu faisais la nomenclature de tous les obstacles qu'on retrouve sur ce magnifique 18e. Il y a bien sûr la crique à gauche, qui est au cœur de l'histoire même de Dubaï. Dubaï a commencé par la crique parce qu'il y avait des gens locaux. C'était un village de pêcheurs initialement. Alors, les gens ont commencé par le creek. Le cours d'eau, un peu comme on a le fleuve Saint-Laurent près de Montréal, on a un peu ça ici. Donc, ça fait un peu de vie. Il y a toujours des avions qui atterrissent, des hydravions, des gens sur l'eau qui font du ski nautique. Alors, il y a toujours un peu de vie autour. C'est vraiment magnifique. Revenons à ce magnifique 18e. De quelle façon tu l'abordes quand tu te présentes ici au départ? Mais d'abord, j'essaie d'être au centre parce qu'il n'est pas très large. Et puis, j'essaie d'éviter, étant gaucher, j'ai une petite déviation vers la gauche. Alors, j'ai tendance à aller vers la crique, alors je m'enligne un peu plus sur le clubhouse. Oui. Et je peux atterrir un peu dans le centre si j'ai une bonne chance. Puis une fois qu'on a atteint l'allée, ce qu'on souhaite évidemment, il reste quand même pas mal de travail à faire. Qu'est-ce qu'on a comme deuxième coup? Ouais, c'est le deuxième coup, à mon avis, qui est le plus compliqué, que ça prend un long deuxième coup ou ça prend un coup stratégique un peu plus court pour pouvoir rentrer après ça en trois. Puis disons qu'on atteint le verre en coup réglementaire, le travail est loin d'être fini, je pense. Non, parce que le verre, en fait, il est assez rapide et il est aussi en pente descendante de notre côté. OK. Alors, j'essaie toujours de rester à court. Comme ça, c'est plus facile de faire un coup roulé en montant. Bon, bien, génial. Tu connais bien le terrain, mon cher Nicolas. Je vais te laisser frapper. Et je vois que tu es gaucher, donc un vrai Canadien, un vrai Québécois. L'influence du hockey, je dirais. Alors voilà, je vais te laisser frapper. Okay. C'est la meilleure à date. C'est bon, j'adore ça. Alors, on a beau avoir un trou intimidant au 18e, il y a d'abord pas moins qu'il y a moyen de jouer avec confiance parce que les cibles sont super nombreuses. Moi, j'irais sur la tour en construction au loin. Vous allez dire laquelle? Il y en a tellement à Dubaï, là, mais celle au centre vis-à-vis le vert, ça serait pas mal massif. Un bon objectif. Et puis avec le vent qui souffle gauche-droite, j'ai l'impression que cette balle-là pourrait être en belle position. Un peu à droite, bien. Très belle. On va être du bon côté pour attaquer. Parfait. Bon, on va aller voir nos balles. Parfait. Wow! Belle balle, Nicolas. Oui, en plein centre. Je suis très content. Je comprends. Il te reste un petit peu. Le GPS nous donne exactement 129 verges au fanion. Alors, c'est quand même une belle distance à parcourir. Comment tu veux aborder ce deuxième coup-là? J'ai un fer neuf. D'habitude, je fais à peu près 125 verges avec un fer neuf. Il vente un petit peu de gauche à droite. Alors, je vais aller un peu à gauche du fanion pour espérer être proche du fanion au centre. L'idée, c'est de ne pas rester à court avec l'eau qui est devant. Hein? Absolument. Bon, ben, fais ta routine, puis on veut voir une balle proche du trou. OK. Bien frappé, ton fer neuf. Ah, ouais. Hey, en plein cœur du verre. Je pense que je suis content, Daniel. Je peux pas demander mieux, là. Non. Je pense que je vais le prendre. Ben, je comprends. On va aller voir la mienne. Et c'est fou, on voit des avions décoller presque toutes les minutes, ici. Ouais. Toutes les cinq minutes. Ah, wow. Il y a seulement deux pistes. Alors, ils n'ont pas beaucoup de choix. Alors, si je me fie au GPS pour mon coup maintenant, Nicolas, il me reste 118, 119 verges.
Je vais avoir, même chose que toi, un petit ventre d'eau. Ça demande néanmoins un trou intimidant, puis je dirais même intimidant de beauté. Mm-hmm. Tellement que le pavillon est omniprésent avec l'eau, la fontaine. Je pense qu'à la droite du fanion, ça pourrait être un bon objectif. Je vais prendre un 56 degrés pour essayer de franchir cette distance-là. Oh! Elle est belle, celle-là. Oh, très, très belle. Ouais, je vais garder ça là. Ça veut arrêter de danser un petit peu. Je vais se réparer le tout. Golf Mag se poursuit après cette pause avec une visite de la ville de Dubaï. Proche. Hey, j'ai flirté avec le bonheur un peu. Absolument. Toi, ben, tu vas avoir un bon roulé de cet endroit-là. Là. Ouais. Nicolas, parle-moi un peu de ton roulé. À quoi ça ressemble? Je pense que je vais jouer à droite. Il y a une petite déviation à gauche. Alors peut-être deux ou trois pieds à droite pour pouvoir revenir dans la coupe. Excellent. L'hiver roule bien ici, généralement? Oui, assez rapide. Ah, beau pote! Beau pote! Oh! Bien joué! Magnifique! Merci. Moi, je te le donne. Tu peux la finir si tu veux, mais très bon roulé. Faut que je le finisse, Daniel. Ben, un par, ça se finit. Ben, je comprends. Ah, bravo! Bravo, bravo! Merci. Alors, Nicolas, j'ai un roulé passablement plus simple que le tien, plus court également. C'est en montant et c'est parfaitement droit. Ouais. Belle position, une belle position d'oiselet. Tu sais que j'espère rien de moins. Oh, que oui! Oui. Que oui! Ah, je suis content. Merci, Nicolas. Bravo, Birdie. Merci d'avoir pris la peine, d'abord, de nous suivre sur Golf Mag, de si loin sur la planète. Et surtout de nous avoir écrit, parce que sans ça, bien, on n'aurait pas pu faire ta rencontre et passer un si beau moment avec toi. C'est une belle rencontre et de pouvoir rencontrer des gens de chez nous, très près de notre deuxième maison, si on veut. Et c'est un honneur de te rencontrer et de jouer une ronde de golf avec toi. Bien, au plaisir. Puis je te souhaite de passer du bon temps avec tous les membres de ta famille ici à Dubaï encore de nombreuses années. Mais ne nous oublie pas au Québec. Jamais. Merci. Merci. Quand on vient à Dubaï, on se doit de faire un tour de ville. Il y a tellement à voir. La multitude de gratte-ciels, les souks, les centres commerciaux. Dubaï est devenu un centre international de premier ordre, ainsi qu'une destination touristique de luxe incontournable. Ici, c'est la démesure. La tour Burj Khalifa est inscrite comme la plus haute tour du monde avec ses 825 mètres de hauteur, totalisant 211 étages. Inaugurée en 2010, ses trois premiers étages abritent l'hôtel Armani, du nom du célèbre couturier. Nous avons eu le privilège d'y prendre le lunch à son restaurant, le Mediterraneo. Simplement succulent. Les étages 4 à 159 abritent des résidences et les étages supérieurs, des tours à bureaux. On monte en 59 secondes pour se retrouver à l'observatoire de la tour. Une expérience indescriptible. La vue sur la ville tout en haut est tout simplement à couper le souffle. Et le spectacle est commencé. Un peu plus tôt dans l'émission, on vous a fait visiter la Burj Khalifa. Juste ici à ma gauche, cette plus haute tour au monde. Mais juste au pied, chaque soir, 365 jours par année, on présente un spectacle haut en couleur devant les plus hautes fontaines au monde. C'est spectaculaire, c'est tout en eau, en lumière et bien sûr en musique. On regarde ça. Thank you.
Golf Mag vous a été présenté par la forfaiterie Voyage Optimum. Cette émission a été enregistrée sur les sites du club de golf Dubai Creek. Voici quelques faits intéressants au sujet de cette belle grande ville qu'est Dubaï. D'abord, vous allez remarquer que c'est une ville qui est en constante construction, autant le jour que de la nuit. On dit même que 20% des grues de par le monde se trouvent ici, dans cette seule même ville qu'est Dubaï.